Ils t'obéissent ? Moi seul pourrais compléter le rituel. Ils ont mal choisi. Tout est faux. Non. Elle est à eux depuis toujours. Donnez la boîte. Non. Non. Jamais. Je dois protéger Paititi. Nous créons tous notre destin. Pas que vous. Nous tous. Ensemble. Je suis encerclé, j'ai plus de munitions. Non, pitié, non ! J'ai pas assez de place pour ça. Jonah, Rourke est mort. Je vais retrouver Dominguez pour empêcher le rituel. On va les retenir aussi longtemps que possible. Ici l'équipe Zeta. Le Haut Conseil se fait envahir. Il nous faut. Le Haut Conseil se fait envahir. Il nous faut.
le soleil s'éteigne et que l'obscurité efface le monde connu. Que l'ombre passe et que la lumière rejaillisse sur un monde créé par nous. Je t'ai laissé vivre. Pas toi.
peut attaquer. Mais Kukushkan le rendra plus fort. Main à l'homme. Toi, là c'est moi, là c'est ton père. On est où? Hawaï. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire. Sans faiblesse, ni cruauté. Si tu avais ce pouvoir, tu ferais quoi? Ma courageuse fille, qui ne verra jamais venir, une attaque de jaguar. Où on pourrait aller ensuite pour notre grande aventure? Il paraît que l'Antarctique est magnifique à cette saison. Papa! Oh non? Alors, peut-être le désert de sel en Utah. Richard! Je sais où on va aller. Ah oui? Hawaï! Oh. Oui, ça pourrait être. Eh bien, dans ce cas, maman. Je voudrais que tu m'aides un peu en faisant ta recherche, en prévision du voyage. Non! C'est toi, mon assistant personnel. Mais oui, bien sûr. Je suis là. Je ne sais pas ce que... J'exige que tu m'emmènes au musée. Je crois qu'on peut s'arranger. Et je t'achèterai un nouveau carnet pour dessiner et prendre des notes. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu? Le sacrifice est mon devoir. Mais si toutefois j'échoue, le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse. J'aime bien ce monde, c'est...
il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, mais c'est toi qui chasses l'ombre. Protégez Paititi. Pitié. Pitié, Lara. Promis. Unuratu, ma mère, une guerrière, une rebelle, une reine. Les générations futures la vénéreront. Tu me manques. Et... son esprit nous guidera pour unifier Paititi. Merci. Je vais retourner à Kuwakiaku demain. Ah oui? La jungle te manque? Tu veux trouver ce fameux arbre à poisson? Je vais passer quelques jours sur la côte avec Abby. Je suis contente. Et toi alors? Je crois que je vais rester ici encore un peu. Et restaurer d'autres artefacts. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Maitsli va m'aider à trouver. Il me dira ce que Paititi voudrait reconstruire. Wow. J'en ai marre de chercher. J'ai envie de profiter des vivants. Ok. T'as pas des bagages à faire, toi? Non, t'es coincé avec moi jusqu'à demain. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, Lara. Bon voyage, Jonah. Quand Paititi sera rétabli, je te rejoindrai peut-être. Pour en apprendre plus sur le monde extérieur. Quand tu veux, suffit de me prévenir. Toi aussi, Ushu. S'il en a envie. Alors, Jonah, Lara me dit que tu as une amie. Nous viendrons à ton mariage. Wow. Atsli, essaies-tu de montrer les plans du nouveau temple? Oui, ce sera magnifique. J'avais tout faux. J'ai cru que pour prendre le contrôle de ma vie, je devais réaliser quelque chose d'extraordinaire. J'ai cru que je devais tout régler. Mais les mystères du monde doivent être appréciés plus que résolus.
et je ne suis que l'une de leurs protectrices. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, Jonah, mais quelle que soit l'aventure qui m'attend, j'ai hâte de me mettre au travail. Je vais essayer de ne pas trop me prendre au sérieux. Du thé, Miss Croft ? Volontiers. Pour l'instant, je suis contente d'être à la maison.